sorti un mot tout à l'heure à Julien, je suis sur zen volté. Quoi. Ouais, parce que je suis à la fois zen et je suis survolté. Et il me tarde, parce que quand même cet instant, je pense qu'on l'a pas volé tous les deux. Et voilà quoi, la galette est là, les gens sont là, il va y avoir du monde et on est, voilà, c'est un moment unique et je pense qu'on vit tous pour ces moments-là. Quoi. À écrire le bouquin et que je voulais qu'il y ait 13 petites histoires à l'intérieur d'une urne. Jean-Louis m'avait appelé à ce moment-là, ça c'est vraiment les jolis fruits du hasard, et lui cherchait quelqu'un pour mettre des mots sur ses musiques. Et donc de suite ça a collé, on s'est pas posé de questions, c'est passé très vite. Il n'y a pas de recette déjà, et d'une. Et de deux, je sais pas, on a un truc de fonctionnement tous les deux où on se pose pas de questions en fait. Et ça va très rapidement. Et en plus on supporte pas de entre parenthèses et en étant sans être grossier, de se branler la tête sur des trucs. C'est-à-dire où ça fonctionne, où ça fonctionne pas. Au niveau de l'album, on voulait vraiment un truc qui sonne très, très anglais quoi. Arrangé, quoi. Et arrangé et qui sonne un peu énergie parce qu'on a aussi ce côté où on aime le rock'n'roll, le punk et où on aime où ça envoie comme ce soir où ça va être avec batteur et bassiste. Et l'énergie quoi. Et avec de l'énergie à fond et ça c'est super important. C'est donner l'énergie entre nous et aux gens qu'on va essayer de faire passer. Quoi. C'est très, enfin, ce qu'on fait ce soir c'est très proche de l'album. Proche de l'album. Bon, il est déjà sur fnac.com, disponible. Et puis c'est prévu pour dans tout le réseau sud, dans un premier temps. Pour ouvrir sur une ouverture nationale dans un deuxième temps, début de l'année. Super heureux et puis ça fait plus de 1000 jours qu'on attend ça quoi, donc voilà on y est là. Toujours est-il qu'un petit terme me trottait dans la tête, me trottait dans la tête. Cela faisait. Au projet, je suis satisfait, très satisfait, et par rapport à la suite aussi, ce qui est à venir, laisse espérer encore des très beaux titres, quoi. Vraiment des trucs réussis, quoi. Enfin, moi, personnellement, au niveau de l'écriture, je me sers toujours un peu de ce que je vois ou de ce que je ressens, et là, ça va être un peu plus tourné sur tous les problèmes
Vers l'extérieur. Ouais. Il y a vraiment une belle énergie avec plein de... Enfin, moi je connais pas mal de groupes qui ont 20-25 ans et qui ont envie de faire des choses et tout. Et je trouve qu'au niveau de la ville, ça commence à bouger, à vouloir faire des trucs. Et puis il y a des gens qui sont impliqués, comme Julien et tout ça. Et je pense vraiment qu'il faut, que ce soit au niveau d'un bar ou d'une petite mairie ou d'une grosse mairie, il faut aider tout le monde à faire des choses. Parce que quand les gens ils font ça, ils sont pris par des projets ou des passions, ils vont pas faire des conneries ailleurs, quoi. Parce que quand on est absolument impliqué dans quelque chose, on donne tellement de temps et d'énergie à ça qu'on n'a pas le temps de faire n'importe quoi à côté. Je pense qu'on a, c'est plus dans la vie actuelle, les gens, enfin, surtout au niveau des jeunes, on leur file rien, on leur file pas de chance, parfois oui. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est bien de s'impliquer et de se dire, voilà, on a une ouverture, ben, je pense que si on leur fait confiance, ils vont le faire à fond. Quoi.